Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur SolidWorks. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer la base pour les mécanos soudés, donc comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas l'onglet, moi c'est sûr que mon SolidWorks est en anglais, donc c'est Weldments, mais ça serait mécanos soudés, là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez passer, exemple, ici sur le bouton de droit, puis vous allez avoir l'option de l'ajouter là dans mécanos soudés, là, que ça s'appellerait. Donc, dans mon cas, j'ai fait une esquisse là, très standard là, qui peut être perçue comme une genre d'échelle ou quelque chose comme ça, une barrière ou peu importe. Donc, une fois que j'ai fait une esquisse standard, ça pourrait être une esquisse 3D, une esquisse normale aussi sur un plan. Je m'en vais dans Mécano soudé. Okay? J'ai la fonction ici, là. En français, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi, comment qu'il l'appelle, mais l'icône devrait être similaire à ça là, pour vous. Une fois que je clique dessus, là, il vous offre des options. Certaines compagnies pour lesquelles on travaille peuvent avoir déjà des profils là, déjà standards, mais ça, c'est ceux qui sont par défaut dans SolidWorks. Là, moi, je l'ai mis en ISO, je veux un tube carré, je pourrais avoir une pipe, donc un tuyau, je pourrais avoir un tube rectangulaire, je pourrais avoir un fer-angle, tout dépendant là, de ce que vous avez besoin. C'est ça, puis les mécanos soudés, c'est principalement utilisé dans les structures d'acier ou les pièces à souder, bien entendu. Dans mon cas, je vais prendre exemple un tube carré, je vais choisir ça. Le diamètre là, que je veux, les longueurs et tout, disons que je veux ce profil-là. Je clique sur le groupe, OK. Par la suite, je clique tout simplement sur ma surface, OK. Puis ça m'apporte, disons, directement un profil complet sans avoir besoin de rentrer une longueur parce qu'elle est déjà rentrée dans mon esquisse directement. Par la suite, ce que vous pouvez faire, vous pourriez faire une rotation, un alignement et tout ça. Mais sinon, ce qui peut être très pratique, là, puis qui est souvent utilisé, là, ça serait l'option en bas, là, en français, je ne peux pas vous dire exactement ça va être quoi le titre, là, mais ça va être un petit bouton à cocher, tout simplement. Ça va être, je pense, positionner le profil, quelque chose comme ça. On clique dessus, ça vous apporte aux points qui sont directement dans votre esquisse. Donc, ça vous permet à ce moment-là de choisir avec lequel vous voulez localiser. Disons, exemple, si vous voulez que ça soit l'esquisse soit l'extrémité, donc ça serait ici. Donc, mon esquisse, ça va être positionné à cet endroit-là. Si vous voulez qu'elle soit faite dans le centre, ben ça serait ici. Tout dépendant de la longueur que vous voulez et tout ça. Dans ce cas-là, je vais le laisser dans le centre. Moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste pour vous montrer. Par la suite, je peux, dans le même groupe, utiliser une nouvelle. Okay? Par contre, disons que là, il va rester le positionner pareil. Si je voulais le positionner différemment, il aurait fallu que je fasse un nouveau groupe. Parce que sinon, comme pour vous montrer, si je choisis, exemple, ce point ici, si je vais sur mon autre, il va être positionné pareil. Alors que si, exemple, j'enlève mon esquisse ici, disons que celui-ci, je veux le positionner à l'extrémité. Coller sur mon esquisse. Je le fais. Je me fais un nouveau groupe. OK. Choisis mon profil, où est-ce que je veux le mettre. Puis disons que celui-là, au lieu de le mettre à l'extérieur, pour une raison quelconque, que je pourrais le localiser à l'intérieur. Donc là, mon esquisse serait positionnée ici. Je fais le crochet. J'ai mes éléments mécanos soudés qui sont ici. Okay? Disons que là, je voudrais en faire d'autres. Mais je vais faire un tube rectangulaire avec un profil comme ça. Là, je vais faire ici mon tube rectangulaire. Comme vous voyez, le positionnement se fait ici. Okay? Là, il est central. Je vais le laisser central. Par la suite, je vais en mettre un autre. Je fais le crochet. Okay? Ça arrive que des fois, il s'ajuste automatiquement. Comme ici. Mais des fois, c'est un peu aléatoire, je vous dirais. Des fois, il s'ajuste bien, des fois, non.
Mais comme là, comme vous voyez ici, mon tube, il rentre à l'intérieur complètement. Là, vous pouvez vous dire, ça ne peut pas se fabriquer, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il y a une fonction, OK, qui s'appelle, écoute, en français, je ne peux pas vous dire exactement le titre, encore une fois, mais ça va ressembler à ça va être ajustement des coins, je pense, quelque chose comme ça. Donc, par ajustement des coins, vous allez pouvoir le mettre, exemple, au 90, choisir, disons comme là, moi, je veux que ce profil-là arrête complètement ici. Okay? Donc, je pourrais choisir cette fonction-là. Donc, le premier, ça va être celui que vous voulez modifier. Okay? Puis l'autre, ça va être la référence. Donc là, si j'y mets ça, vous voyez que il s'est arrêté à cette surface-là. Il y a plusieurs options que vous pouvez essayer. Vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez le faire avec une face, un plan. Mais ça, honnêtement, il va falloir le tester. Parce que tout dépendant là, de ce que vous voulez faire, là, ça peut être. Toutes les fonctions ici peuvent vous être utiles. Donc là, je vais faire la même chose pour celui-là, pour le bien de la cause. Donc là, il se termine ici. Okay. Donc là, ça, c'est tout ce que je voulais montrer pour les ajustements de coins. Par la suite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les goussets. Les goussets, ça peut être bien pratique. Ici. Okay. Donc, je veux me faire un gousset ici. Là, je peux lui donner la dimension que je veux, soit d'un bord, ou je pourrais le mettre des deux côtés. C'est ça, j'ai certaines options où la dimension 1, 2, puis l'autre, je pourrais le mettre sur une autre forme. Écoute, je pourrais avoir l'épaisseur. Je pourrais, tu sais, comme là, il est centré, je pourrais le mettre de 12,5 mm si je voudrais. Là, il est centré, il pourrait être localisé sur un côté ou l'autre. Même que je pourrais lui dire là, mais tu vas mettre 3 mm à partir du milieu. Donc, ça c'est pour les goussets, c'est tout simplement ça. Donc, c'est très utile là, pour les structures d'acier et les soudures et tout ça. Par la suite, le dernier élément que je vais vous montrer dans ce tutoriel concernant les mécanos soudés, parce que pour le reste, honnêtement, il va falloir le tester là, parce qu'il y a plusieurs fonctions, là, mais c'est la base là, que je voulais vous montrer concernant les mécanos soudés. Donc, il y a aussi les embouts, je crois que c'est ça en français. Donc, vous choisissez la surface sur laquelle vous voulez mettre un embout. Donc là, vous voyez, je choisis, il se met directement ici. Là, dans mon cas, vous pourriez mettre un symbole de soudure et dire que vous voulez souder ici. Mais vous pouvez aussi avoir. Il y a certaines autres options là, que vous pouvez utiliser. Comme là, vous pouvez utiliser que là, dans ce cas-là, il dépasse. Vous pouvez dire non, je ne veux pas que tu dépasses, je veux que tu sois limite. Okay? Vous avez l'épaisseur, okay, aussi. Donc, lui, je pourrais dire que c'est 4 mm. Donc, par la suite, on peut aussi chanfreiner les coins. Donc là, cette pièce-là, comme on le voit, est très carrée, là. Donc elle ne fitterait sûrement pas là, à l'intérieur. Donc je pourrais faire un traitement là, des coins, là, disons par... je ne sais pas mon tube est de combien. Mais disons que je vais le mettre de 10. Donc je pourrais aussi... Donc, je vais le mettre à 50 même. Pardon, à 37. Je vais le mettre à 25. Donc, comme vous voyez, celui-là ne fit pas parfaitement. OK. Vous pouvez aussi, là, donc là, c'est un traitement des coins. Ici. Vous pourriez inverser le diamètre, là. Pas le diamètre, mais la position plutôt. Par la suite, vous pouvez, c'est ça, vous avez diverses options. Vous pouvez utiliser un chanfreiné, tout simplement, à l'intérieur. Donc, vous pourriez dire tout simplement 5 mm, et puis il arriverait ici à l'intérieur. Par la suite, donc, je pourrais dire tout simplement 0, mais inversé. Bien entendu,
ça ne sera pas fabricable. Vous pouvez avoir l'option ici, comme vous voyez, qui peut être très pratique parce que lui, il s'ajuste automatiquement à l'intérieur. Donc, il y a diverses options là, qui peuvent servir, là. Donc, si j'y vais pour un filet donc, de 10 mm, donc là, ça serait plus réaliste, là, de... Je pourrais le mettre un... Mais inverser la direction, il serait 1 mm à l'intérieur, ça pourrait être 0,05. Donc, comme vous voyez, tout est possible là, de faire, mais ça peut être très pratique là, pour les structures d'acier. Donc, c'est tout pour ce tutoriel sur SolidWorks pour les éléments mécanosoudés. Soudés. Donc, c'était la base là, que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous reviendrai là, prochainement là, pour approfondir un peu ce sujet-là. Merci et bonne soirée.